Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière Dot Cards à tester, c'est la Schmink. J'avais déjà fait une vidéo sur Daniel Smith et sur Winsor & Newton, donc là on fait la dernière ensemble. Schmink c'est une marque allemande, d'aquarelle professionnelle aussi, hein. On est sur les mêmes types de qualité d'aquarelle. Donc c'est la Dot Cards d'Extra Fine que je teste avec vous aujourd'hui. Au niveau du petit logo... c'est un e-book chez Schmink. Et donc, ils nous proposent avec cette Dot Cards de tester leurs 140 couleurs. Donc, on a des couleurs mat et des couleurs irisées à la fin de la Dot Cards. Et chose qu'il n'y avait pas chez les autres, il y a un petit feuillet plastique, hein, je pense, un petit feuillet pour séparer les couleurs, parce que quand on ferme la Dot, ça ne baffe pas les couleurs les unes sur les autres, parce que vous voyez, elles sont très 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 rapprochées. C'est vraiment des petits points. Il y a un peu d'espace pour peindre, mais pas non plus des masses. Hein. Donc là, pour le coup, le swatch sur une autre feuille était vital pour bien voir les dégradés. Parce que là, j'ai même des fusions qui se sont opérées entre les couleurs. Donc bon, le petit feuillet est intéressant si vous n'avez pas le temps de laisser sécher. Après, moi, je trouve que ça fait du plastique... pour pas grand chose, il suffit de laisser la dot sur la table bien sécher et puis voilà, on n'a pas besoin de rajouter du plastique, du coup c'est mieux pour la planète. Mais bon, à part ça, au niveau de leur couleur, au niveau de la qualité et de la texture, j'étais plutôt contente. Donc c'est ce qu'on peut s'attendre à avoir chez une marque d'aquarelle professionnelle. Et pour le coup, on a vraiment bien les petites légendes sous les points pour nous dire si c'est opaque, transparent, la durabilité dans le temps. Chez eux, j'ai beaucoup aimé les terres et les neutres. Je vais vous les montrer sur le swatch puisque vous les verrez mieux en tout petit. Donc là, la ligne du bas. Tout leur terre, là, leur ocre. Ils sont assez sympas, et donc toute la dernière partie en fait de la dot où il y a tout leur neutre, leur gris, qui sont vraiment bien pigmentés et qui permettent de neutraliser très facilement en fait les autres couleurs. Parce que quand vous peignez à l'aquarelle, si vous ne voulez pas acheter toutes les couleurs qui sont vendues et pas... mettre un budget fou dans vos godets ou vos tubes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir faire les mélanges tout seul. Et certaines couleurs qui sont difficiles à avoir, ça va être toutes les couleurs un peu neutres, très naturelles, qui sont plus fades. Et donc, pour avoir ces couleurs-là, en fait, c'est plus simple si vous avez au moins un neutre dans votre palette. Donc un neutre, c'est une couleur qui va être un peu, voilà, soit un gris, soit un brun un peu plus clair. Et donc ce sont des couleurs qui permettent d'affadir, entre guillemets, les couleurs un peu vives. Donc par exemple, vous avez un super rouge vermillon très brillant, très vif dans votre palette, et vous voulez le désaturer, vous voulez le rendre un peu plus neutre, un peu plus fade, puisque c'est la couleur dont vous avez besoin pour votre aquarelle, et bien en le mélangeant avec une couleur complémentaire qui est neutre, vous allez pouvoir obtenir la même couleur, mais un peu affadie. C'est hyper intéressant pour créer tous vos marrons, tous vos gris, tous vos mauves, toutes les couleurs qui vont avoir ce côté un peu désaturé. Donc avoir au moins un neutre dans sa palette, ça peut être intéressant, et pour le coup les leurs sont assez variés, donc en fonction de votre style d'aquarelle, il y a de quoi, je pense, il y a de quoi faire. Donc à part les neutres, ils ont aussi à la fin des couleurs qui sont notées comme brillantes. Donc ils ont un rose opéra brillant, un pourpre brillant, un rouge violet brillant, un bleu violet brillant. Bah je suis pas fan, vous voyez, c'est celles qui sont en bas là. Et déjà on les voit pas spécialement briller. Alors il y a la caméra, certes, mais même moi, la lumière naturelle, l'or et l'argent ils brillent un peu, mais les quatre autres non. Et en les peignant en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient pas très saturés en pigment pailleté, en pigment irisé, qui donne ce côté brillant à certaines aquarelles. Donc du coup, c'est pas chez eux que j'irai acheter mes irisés ou mes pailletés.
Alors après, moi j'utilise très peu d'irisé ou de pailleté, donc ça me dérange pas plus que ça. Mais vraiment, si vous aimez les irisés ou les pailletés, là moi j'irais plus vers du Daniel Smith, sachant que Winsor & Newton ne le propose pas sur sa dot cards, hein, il n'y avait pas de couleur irisée, pailletée, perlescente ou quoi. Donc du coup, vraiment, chez eux, là, chez Schmink, tous les neutres vont être hyper intéressants, tous les bruns, les ocres vont être très intéressants, mais n'allez pas vers les pailletés, parce que je pense pas que ce soit là où vous allez avoir le plus de pigmentation. Surtout que généralement, quand on part avec un pailleté, ce qu'on aime, c'est justement qu'il y ait le côté brillant pour une aquarelle originale, donc si ça brille pas beaucoup, et qu'on doit rajouter des paillettes nous-mêmes, c'est pas intéressant. Donc vraiment, là... eux, aller chez eux les yeux fermés pour tous les neutres, mais pas forcément pour les pailletés, parce qu'ils sont pas ultra pailletés, en fait. Après, leur petite dot card, ça permet quand même de tester 140 couleurs, donc faut pas hésiter. Et chez eux, il y a des couleurs super granuleuses. Donc... pour le coup, celles-ci, elles sont vraiment, vraiment intéressantes. Pour tous les styles d'aquarelle où vous aimez que ça granule, il faut pas hésiter. Alors, elles sont pas sur la dot, parce que c'est des couleurs qui sont sorties plus tard. Elles sont vendues en pack, elles sont vendues à l'unité, mais elles sont aussi vendues en pack. Vous avez la super granuleuse toundra, la super granuleuse prairie, la super granuleuse désert, où vous avez à chaque fois 5 tubes, je crois bien. D'aquarelle, et pour le coup là c'est intéressant, là les couleurs elles sont belles, elles sont ultra pigmentées et granules, donc c'est un peu plus cher par contre, donc pour l'instant j'ai pas eu la chance de pouvoir en acquérir, mais le jour où j'en achète je vous ferai une vidéo, je vous ferai un test avec des swatchs et des fusions uniquement sur leur granuleuse, parce que vraiment pour le coup de ce que j'ai pu voir ça a l'air vraiment sympa, et toutes les copines aquarellistes que j'ai ou les copains, parce qu'il y a aussi des hommes qui peignent à l'aquarelle, enfin tous les aquarellistes que je suis sur les réseaux ou que je peux connaître, en vrai qui ont ces couleurs sont vraiment contents et font des choses super sympas avec. Donc si vous aimez les couleurs granuleuses, abonnez-vous, parce que je pense que je vais pas tarder à céder à la tentation et à les acheter. Et du coup, je pourrais vous faire une petite vidéo haul, pareil, sur le test de leur granuleuse et de leur super granuleuse. Donc voilà, je vais vous laisser avec les swatchs. Et si la vidéo vous plaît, ou que vous êtes à la recherche de haul sur l'aquarelle ou de tutos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Bosquet et à me lâcher un petit like et un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Salut !
Thank you.